Il n'y a ni héros, ni martyrs, simplement une famille qui est victime de 3 ans qui ont été épouvantables. Et bien entendu, cette décision est énorme. J'en appelle maintenant à ceux qui auront du courage, le courage de redonner la blouse blanche à Nicolas Bonnemaison. Il faut arrêter de se mettre des œillères, il faut entendre ce que vient de dire la justice française, il faut prendre ses responsabilités et il faut dire que cet homme est un médecin et arrêter de le qualifier de criminel ou de quoi que ce soit. Les médecins ne sont pas des assassins. Nicolas Bonnemaison n'est pas un assassin. Nicolas Bonnemaison, il aide à partir en essayant de respecter le malade. Vous savez, on n'a pas envie de tuer, entre guillemets, une fille de 20 ans. C'est pas vrai.